Bon matin à toutes et tous. Eh bien, on se retrouve pour la dernière semaine de ce mois d'août. Nous sommes lundi 26 août 2024. Comment allez-vous? Bien, j'espère. Vous vous rendez compte? Nous sommes déjà fin août. Mais que cela a passé vite, n'est-ce pas? Je vais continuer. On va terminer avec l'oracle des signes des temps. Je terminerai avec le petit oracle des couleurs, mais avant de commencer, eh bien, petite philosophie du matin et la pensée pour ce 26 août aujourd'hui. Préserver la personne que l'on aime. Si l'on s'amuse à défoncer ou à tordre une chaise, eh bien, elle ne nous sera d'aucune utilité lorsque fatigué, on voudra s'asseoir dessus. Pour les mêmes raisons, n'est-ce pas? Eh bien, il faut être doux, gentil, aimable avec la personne que l'on aime et qui nous aime. Car il ne faut pas maltraiter ceux sur qui l'on s'appuie, n'est-ce pas? Belle pensée pour ce matin. Eh bien, aujourd'hui, j'ai pigé ancrage. Eh bien, il y a une stabilité pour certains d'entre vous. Soyez bien à l'aise, n'est-ce pas, pour prendre ce qui, eh bien, ce qui vibre pour vous. Stabilité et sécurité, eh bien, sont essentielles actuellement dans votre vie pour certains d'entre vous. Vous vous sentez, eh bien, ancré, calme et à l'aise, ce qui se reflète, eh bien, évidemment, dans vos finances, dans votre vie de famille, dans votre vie personnelle, dans votre travail ou vos relations encore. Vous ressentez, eh bien, un énorme soulagement mental à l'idée que, eh bien, que ces bases sont solides. Si vous cherchez à atteindre un but, eh bien, la récompense viendra. Oui, elle viendra sous forme d'équilibre. Et cette carte, n'est-ce pas, elle parle aussi d'un sentiment de sécurité. Vous vous sentez protégé d'éventuelles agressions extérieures. C'est un esprit d'équilibre, de sécurité que vous avez, que vous ressentez. La tempête peut frapper, mais vous êtes confiant dans votre position et votre force. Alors, l'encre, eh bien, l'encre, elle sécurise, mais elle risque aussi peut-être de créer un sentiment d'autosatisfaction. Vous vous complaisez dans votre état. Vous vous accrochez à ce que vous connaissez et ratez peut-être des occasions de prendre des risques et d'évoluer. Alors, assurez-vous régulièrement que votre désir de stabilité, eh bien, ne vous empêche pas d'avancer, n'est-ce pas? Ne vous reposez pas sur les acquis. Cette carte, elle peut aussi, on pourrait, pour certains d'entre vous, vous faire une proposition de travail. Mais sur une proposition de travail qui est sûre, qui est certaine, ou dans un autre domaine, un amour durable. Cet ancrage est une sécurité financière. Vous êtes vraiment, vraiment satisfait de votre position actuelle dans la vie. Le désir de sécurité, par contre, risque d'obscurcir votre jugement. Attention, encore une fois, ne vous reposez pas sur ce que vous avez. Ça peut être aussi, pour certains d'entre vous, une stagnation en vous accrochant à ce que vous connaissez. Le fait que vous ne désirez pas aller plus loin, aller de ce que vous avez,
eh bien, ça peut engendrer des difficultés. Donc faites attention, c'est toujours, allez, il est toujours préférable de plus en plus d'avoir de connaissances. Et encore une fois, je vais me répéter, ne dormez pas sur vos acquis. Voyez plus loin, hein? Donc voilà, c'est quand même une carte qui est très positive, n'est-ce pas? Et je termine avec le petit oracle des couleurs. Et aujourd'hui, j'ai pigé émeraude. Je garde toujours espoir car j'ai confiance en la vie. Eh bien voilà, je vous souhaite une excellente journée et puis on se retrouve demain pour un nouveau message. Et d'ici là, eh bien, portez-vous bien, je vous embrasse et je vous dis à demain.